pour mon ami Fred Forté, la première des choses, et vivre des moments incroyables comme aujourd'hui. Parce qu'un entraînement, ouvert au public, avoir autant de personnes, il n'y a qu'à Limoges qu'on va voir ça. Fred, viens 30 secondes, 2 secondes. Je réponds à une interview. Comment ça va? Tu vas bien? Regarde la deuxième question, t'en penses quoi toi? Bah c'est lui qui va répondre. Certaines personnes autour de moi disent que... Ouais, on peut le dire maintenant. Ouais, faut le dire. Non, toi c'est l'homme de paille. Je suis l'homme de paille. Voilà. Par contre, comme tous les hommes de paille, tu prends feu. Ah ouais. De pas descendre. De faire dixième. Faire mieux que l'année dernière. Onzième. Elle peut l'être, mais aussi elle peut pas l'être. Mais elle peut l'être, non. Elle va pas l'être, mais par contre c'est une équipe qui est talentueuse. Non, parce que quand l'Eurocup vous invite, il faut le faire. C'est le hasard du calendrier, on peut rien faire par rapport à ça. Non. Mais la Ligue, elle n'est pas avec nous. Déjà, recruter une belle équipe, d'accord? Recruter une bonne équipe, elle est bonne l'équipe. Oui, j'ai compris sa décision parce qu'il voulait jouer beaucoup. Et ici, il n'aurait pas joué beaucoup. Non, je redoute rien du tout parce que les supporters de Limoges, c'est des connaisseurs et c'est vraiment des gros supporters et il n'y a aucune raison qu'ils soient sifflés. Pas du tout, il adore Limoges. Oui, parce qu'il n'aurait pas joué. Va-t-on vers plus de stabilité dans l'équipe? Oui aussi. Parce que déjà le coach a signé 3 ans. Merci beaucoup.